Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 19 juillet, c'est aujourd'hui mon anniversaire. J'ai 31 ans aujourd'hui. Bon, en vrai, mon anniversaire, ça ne m'importe pas tant que ça. C'est un petit peu la même chose qu'un autre jour. Mais c'est toujours chouette d'avoir l'attention de tous les proches. Et, oula, je suis dans le noir. Et donc là, comme vous pouvez l'imaginer, on est déjà le soir au moment où je vlog. Mais ce matin, on est allé faire une randonnée. On est allé... c'était comment ça s'appelait ? Au Mont-Saint-Ange. Et franchement, c'était assez technique. J'avais Olivia en porte-bébé. Et on s'est arrêté à mi-parcours. Laura et Chloé, quant à elles... On fait les warriors et on réussit à aller jusqu'à la croix en haut. Mais il y a un moment, on montait carrément dans les pierres. C'était un peu technique. Donc j'ai préféré faire demi-tour avec Olivia, mais c'était hyper sympa. Le monastère là, avec tous les petits villages, c'est juste exceptionnel. Petite pause à la piscine avec Olivia. Et c'est là qu'on savoure le fait d'avoir le petit auvent sur la bouée, parce que même s'il est 16h, un tout petit peu plus de 16h, le soleil tape encore fort. Donc franchement, avec le auvent plus le maillot de bain et le bonnet, enfin la casquette chapeau anti-UV, on est bien. Et on a trouvé ce petit ballon qu'Olivia aime beaucoup. Il est la bonne taille pour toi. Hein? Je te le donne. Il est la bonne taille pour toi. T'es contente parce que là tu peux vraiment bien profiter de Tata. Hein? Bien. C'est Tata Laura? Tata Laura. Laura, elle essaie de lui. Tata Laura. Elle dit pas encore maman, mais Laura, elle aimerait bien qu'elle dise Tata Laura. D'ici la fin de la semaine, Tata Laura. T'y penses? T'y penses? Voilà, t'as un peu de bavou. Tu nous montres comme tu te tiens bien droite? Bah oui. Moi, je trouve qu'elle marche presque. Tu grattes? Oh, c'est bien. Oui. Tu lèves ses pieds, là? Un petit peu. Faut pas qu'il glisse. C'est pas mal, mon cœur, hein. Tu commences à te débrouiller de mieux en mieux. Oh, un sang. Days without water along the sun's old road. We cross over borders, get where we are, and it's all for you. Ces petits jouets là, ces petits gobelets empilables qu'on a eu dans la box Love Every, c'est vraiment un carton plein. Olivia les adore. Bon, elle n'arrive pas encore parfaitement à les empiler, mais elle adore s'amuser à les entrechoquer. Tu vas le chercher, mon cœur? Tu vas le chercher, c'est le gobelet orange. Et regardez, c'est quand même vachement amélioré là, elle rampe bien. Prochaine étape, le 4 pattes. Elle commence un petit peu à se mettre sur les coudes, sur les genoux aussi quand elle a la tête un peu sur le sol, mais pas encore les deux en même temps. On avait parié que t'allais faire du 4 pattes en Corse, mais pas sûr hein, quand même. Et on va jouer à un petit jeu, essayer de deviner quand est-ce que Olivia va faire du 4 pattes pour la première fois. J'enverrai une petite carte
à la personne qui sera le plus proche. Laura, à toi le pari. Le 4 pattes, c'est pour quand pour toi? On est le 8, donc le 22. Le 22 à la fin de la semaine. Fin de la semaine. Moi, je pense que ça sera pas en Corse. Je dirais le 28. Comme ça, je te laisse le temps. D'accord? Il faut s'entraîner, hein. Et là, du coup, ce soir, on va aller dîner dehors. On a déjà pris l'apéro à la maison. J'ai eu le droit à mon cadeau de la part de toute la famille. J'ai eu une Apple Watch. Je suis trop, trop contente. Ça faisait un petit bout de temps que je disais à Julien, enfin, par des piques assez subtiles, que j'aimerais bien avoir une Apple Watch. Et il les a entendus. Donc très bien, je suis trop contente, je vais pouvoir vraiment me remettre au sport. Et puis même pour plein d'autres choses, c'est trop pratique, donc je suis trop contente. Et avant d'aller dîner, on va faire une petite balade, enfin une très rapide balade dans le village de Corbara, Olivia se marre. Et j'ai donné à Laura la lourde tâche de pousser la poussette. C'est ça, c'est l'émission. C'est l'émission de Tata. Ça a l'air trop mignon, franchement. J'aime trop ces petits villages comme ça, tout plein de pierres, où il y a des fleurs partout. Et regardez l'église là, elle a l'air trop jolie. Je trouve que ça fait un peu église italienne. Bon, après la Corse, il y a quand même pas mal d'influence d'Italie, mais regardez là ce petit coin, tellement mignon. Oh Laura, je peux faire une petite photo ici? Avouez que là le petit spot fait bien spot à photo Instagram, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Tu veux une photo? Laura, non. Elle se dit, mais pourquoi? J'ai pas sur Insta les goûts de fleurs. J'ai des goûts de fleurs. J'avoue. Bon, finalement, l'apéro nous appelle. On va pas monter jusqu'à l'église. En plus, là, on a la poussette. Vu qu'on va au restaurant, c'est plus facile d'avoir la poussette pour éventuellement que Olivia puisse être allongée. Et il y a plein d'escaliers, donc c'est pas le plus simple. Oh, avec la petite porte verte. Oh, le balcon. C'est trop beau. Et cette porte-là, ça donne... Ah, mais c'est pas une porte de... Ah si, c'est une porte de maison. Trop joli. Franchement, c'est magnifique. Hop là, avec l'église en fond et les montagnes de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on voit? Ça rend toujours moins bien en vidéo ou en photo que quand on le voit en vrai. Mais pour ça, c'est assez incroyable la Corse, faut avouer. Il y a les montagnes, la mer, il y a plein de rivières aussi, des jolis villages. C'est hyper hyper varié. T'aimes bien, ça te plaît? Ta première fois en Corse, mon cœur? Et peut-être pas la dernière, sûrement pas. Joyeux anniversaire! Toi, Olivia, t'as dit bon anniversaire à un moment? Tu m'as dit bon anniversaire? Bah oui!